Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle VOD. Aujourd'hui on démarre du coup Photo Studio Simulator. Donc encore une démo du NeoFest. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer en quoi consiste le jeu. On va tenir un studio de photos version obsolète. Ah, incroyable. Chers enfants, au moment où vous lirez cette lettre, j'aurais oublié comment utiliser ma touche espace. Et je serais parti. Désolé, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous devez récolter beaucoup d'argent en seulement un mois. Vous rencontrerez malgré tout quelques difficultés en route. Mais ne vous inquiétez pas. De toute manière, si vous n'y arrivez pas, la mafia se chargera de vous. J'ai laissé quelques arrangements pour qu'ils apparaissent lorsque vous en aurez besoin. Ça veut pas dire grand chose, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez très vite. Ne vous précipitez pas pour trouver la réponse, vous comprendrez tout le temps venu. Il s'agira d'un défi difficile, mais je sais que vous pouvez le relever. Je vous aime, papa. Locataire, cela fait longtemps que vous êtes en retard sur le loyer. Je t'ai donné assez de grâce. Maintenant, ma patience a atteint ses limites. Si vous ne payez plus, sortez immédiatement et arrêtez d'occuper cette chambre. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de payer votre loyer à temps tous les soirs. Même pas un jour de retard. Sinon, quelle que soit votre raison, déménagez immédiatement ou je serai impoli, ok? Ce n'est pas une négociation, je ne veux plus de retard. Ouais, c'est la France, ici je squatte si je veux, ok? Putain, 25 balles par soirée, quoi. Mais ça fait cher le mois, quand même. Tous les soirs? Eh ouais. C'est quoi le but du jeu? Alors, il me semble, Clem, qu'il faut, tenir un studio photo. 25 pour cette merde? J'ai un lit, une poubelle et une table. Mais tu m'étonnes que je te payais pas. Complètement insalubre ta merde là. Bonjour madame. Besoin d'aide? Trouver un charognard et parler. Un charognard. Hey, charognard! S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Chat. Maître, pouvez-vous vendre ces bouteilles pour un peu d'argent? J'en ai besoin maintenant. Ah, c'est moi qui en ai parlé. Et je l'appelle maître, ok. Vas-y, vends des bouteilles pour moi, mec. Je vais acheter plus de bouteilles. Je dois ramasser des bouteilles. Écoute, elle a le droit d'être exhibitionniste si elle veut. C'est quoi ces vieux préjugés là? Donnez-le au charognard. Tiens, charognard. Je vais ramasser des déchets. Ça, c'est pas des déchets? Ça, c'est pas un déchet? Ok. J'aime beaucoup les tenues de la région. Hein. Franchement, la petite tenue typique, là, je trouve ça très sympathique. Parler au charognard. Mais je lui ai déjà parlé! Donnez-moi quelque chose à manger. Je dois payer mon loyer. Vraiment, c'est super. Je vais aller voir tout de suite. Allez-y, jeune homme, n'oubliez pas. Faites-le vous-même et ayez suffisamment de nourriture et de vêtements. D'accord. Bah, merci, mec. Oui, c'est très bizarre de les appeler les charognards.
Aha! Trouver un ferrailleur. Mais quelle chance, j'ai un ferrailleur en bas de chez moi. Et GG Garve Hugo pour le niveau 147, Miaou le niveau 10 et Adon le niveau 5. Félicitations à vous tous. Affinité étrangeté. Le tas c'est de l'argent. J'ai entendu dire que vous aviez des objets spéciaux ici. Est-ce que je peux vous montrer ce que j'ai? Vous avez un objet spécial? Ouais, ça va dépendre. Mais il a disparu. Appuyez sur F. Et que je le pose. Putain, 800 balles. Incroyable, me voilà riche. Trouver un ferrailleur pour louer une machine. Bonjour, j'aimerais vous acheter une machine de prise de vue. Je vais devenir photographe. Mec, donne. C'est pour moi, c'est pour moi. Vous voyez, trop pressé. Allez, j'attends plus, je l'ouvre. Ah, quoique. Allez, attendez, nous on va aller dénoncer. Pourquoi je peux pas le poser là? Ah. Ah, faut que je le fasse chez moi? Non? Laissez la machine en libre service. Ben, je veux bien! Ah, ça me dit. Ok. Bonus multi-machine. Eh, venez faire des magnifiques selfies! Incroyable! Eh mec, t'as vu ça? Le temps c'est de l'argent, bah ouais, carrément mec. Ah, je peux acheter des arrière-plans. Mais c'est incroyable. Changer l'arrière-plan. Halloween. Ouh. Venez fêter Halloween en cette pleine saison d'été. Madame, c'est Halloween. Prix de la machine. Ah, faut que je mette le prix. Suggérer 5. Non, suggérer 19. Bah, ce sera 21. Non, ce sera 19. Allez, 19 balles, la magnifique photo face à un décor d'Halloween d'exception. Ah, mais il me faut du papier photo. Eh, hey, ferrailleur, file-moi du papier photo. Et explique-moi aussi pourquoi t'as autant de trucs de photo alors que tu es ferrailleur. Ah, voilà quelqu'un qui avait de l'argent à perdre. Merci. Mais merci beaucoup. Merci Draken. Merci. Désolé, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Et salut Fondue Savoyarde, ça fait un bail. Quoi de beau? Attendez qu'un client passe. Eh monsieur, une magnifique photo d'Halloween. Vous direz pas? Allez.
Ah, incroyable. Vous avez fait le bon choix, monsieur. Ouais, faites semblant de parler à votre main, comme ça, c'est incroyable. Franchement, on y croit. Pop. Elle est incroyable, cette photo, monsieur. Ouais, voilà, parlez à votre main, parlez tous à votre main. Bien, et toi, ça faisait longtemps? Bah écoute, ça va aussi. Attention, voilà pour toi, dans 3, dans 2, dans 1. Oula. Alors lui, faut pas le prendre pour un chirurgien. Mais tu peux le prendre pour un pigeon. Hop là. Ouais, je vais mettre en qualité moyenne. Voilà, comme ça on voit zéro différence, mais ça va plus vite. Parfait, madame. Franchement, la photo est incroyable. Trouver le corbeau noir. Putain, c'est lui, c'est le corbeau noir. Mais attendez. Avant, j'aimerais bien quand même aller voir. Publicité personnelle, modèle. Ok. VR. Le jeu a l'air de proposer pas mal de trucs. Alors, je m'excuse pour ce que je vais dire. Enfin, je m'excuse, chacun son truc. Mais en vrai de vrai, ça pourrait faire un super jeu X. L'obscurité ne trahit jamais. Elle te protège jusqu'à ce que tu apprennes à l'utiliser. Ok. Et pourquoi se cacher dans l'obscurité en plein jour? La lumière est éblouissante, mais dans l'ombre, tu peux tout voir. Bah, pas spécialement, non? Alors, je peux avoir un chariot ou un cheval, mais il me faut 10 gemmes. Photographier un chariot. Ok. Il faut que je trouve un chariot. Ça, c'est un chariot ou pas? Cible perdue. Ah, c'est ça qu'ils appellent le chariot. Eh hey, salut, comment ça va? Le fan de foot, comment tu vas Simon? Hop là, j'ai obtenu un gemme parce que j'ai pris en photo un chariot. Le fait qu'il y ait des petites missions et tout en plus, c'est cool. Tu es un photographe creepy de rue. Exactement. Ok, donc j'ai plus de tâches pour lui. Enfin, il a plus de tâches pour moi. Loue un studio photo. Mais quelle chance, il y en a un juste ici. Besoin d'argent, environ 1000. Ok, faut que je me fasse un peu plus de thunes avant. Vous pensez que si je laisse le truc dans la rue, ça passe nickel? Putain, Andrew, c'est un client de qualité, lui. Parce qu'il y a son nom écrit au-dessus de sa tête. Toi, par exemple, t'es une gueuse. Y a pas ton nom écrit au-dessus de ta tête. Du coup, t'intéresses personne. Alors que Andrew, lui, bon, il était de qualité médiocre, hein, mais il était de qualité quand même. Et en plus, je suis le ramasseur de poubelles. Allez, cassez-vous. Ouais, t'as vu, il a préféré saluer Wizbot. Je veux pas dire, mais... Retourne dans ta chambre et termine la journée. Bon allez. Wade là, casse-toi. Oh ouais, il m'a rapporté plus de thunes parce qu'il est un peu famous.
Retourne dans ta chambre et termine la journée. Ouais, mais avant, je vais payer. Je peux pas payer mon loyer ? Bah, je paye pas mon loyer alors, en fait. J'ai rien dit. Nombre de personnes, incroyable. Chiffre d'affaires, mais quel chiffre d'affaires incroyable. Description de la météo. S'il fait beau, il y a plus de monde. Ah. C'est intéressant. Madame, je commence à m'inquiéter un peu. Vous êtes sûr que ça va? J'appelle un médecin si jamais. Hein. Ah non, d'accord, vous faites ce genre de live TikTok où vous parlez pas, vous regardez juste dans le vide parce que vous vous faites chier. Pas de soucis, pardon, excusez-moi. Je sais pas. Ça va, j'ai été privé de téléphone pendant 3 semaines. Qu'est-ce que t'avais fait comme bêtise? Pardon, monsieur, excusez-moi. Voilà, vous avez été incroyable. Cassez-vous. Prends-la en photo, fais le voisin cringe. Si vous demandez tout ça à l'unanimité, on verra. Mais je peux pas placer où je veux. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, c'est seulement à des endroits particuliers. Ok. Apparemment ça, le mien est tombé du balcon. Ton voisin ? Alors, en fait, le truc, c'est que je l'ai pas testé sur lors du NeoFest parce que le jeu, je l'attendais énormément. Donc, quand ils ont sorti la démo il y a 2 mois, je l'ai testé direct, Kaisus. J'ai lancé un sondage. Bien joué, Clem. Mais c'est des gros dégueulasses dans cette ville. Bon, en même temps, la seule poubelle qu'il y avait, je l'ai prise. Mais c'est pas une excuse. Mais pourquoi je peux pas, hein? C'est pas un déchet, c'est ça? Ça ressemble à un déchet. Petit bug. Mais vous faites tous la même pose, c'est ridicule. En plus, vous avez payé super cher juste pour ça. Non, là, ce sera la photo librairie. Ah, mais c'est encore à 5 balles. Ou c'est un client en train de prendre des photos. Mais casse-toi, Van Grant. Je suis en train d'augmenter les prix, là. V Grant, là. 18 balles. Non, que dalle. 20. Attendez, j'ai 40 likes. Je peux me permettre de vous faire payer 20 balles. J'ai eu un mot... Ah. Un mot de la prof d'anglais. Voilà. C'est ça aussi de faire des bêtises, Simon. La poubelle est pleine. Je crois que je peux lui parler. Peut-être qu'elle a des quêtes. Ramasser les déchets. Tiens, je t'ai filé des déchets. Incroyable, hein. Y a pas moyen de passer... C'est chiant de devoir faire ça à chaque fois. Est-ce que vous avez des quêtes ?
J'ai été occupé toute la journée, mais malheureusement, mon état parfait est toujours en ligne. Vous ne trouvez pas ? Ouais, grave. Oui, non. Ah, bah ce sera non alors. Et ça va aujourd'hui ? Pas mal, je viens de terminer mon projet design. Duré, tu es très occupé. Eh bien, être occupé, normal, il suffit de s'y habituer. Tiens, je t'offre un super cadeau. Ah, je peux pas t'offrir des cadeaux en fait. Attendez, il faut que je lui offre quoi ? Une moto ? Ça, je peux lui offrir une moto, wesh. Écoute, c'est la pénurie de tissus. Hein. Bah, c'est hyper sexualisé, mais d'un autre côté, on reste dans un jeu qui est là pour faire du mannequinat, du machin, du truc comme ça, tu vois. Du coup, ouais, mais c'est pas entièrement anodin non plus, je trouve. Après, faut voir comment c'est sur les photos et tout, mais c'est pour ça que je disais que dans ce cas-là, ça pouvait faire un jeu X aussi intéressant. Bah, c'est la question aussi. Est-ce qu'il y a des mannequins hommes ? Ça, j'en ai aucune idée. Eh bien, le bonjour ! Comment il va, le Shiberoki ? Est-ce que toi, t'as des super quêtes hyper giga méga intéressantes pour moi ? Waouh. Je peux prendre en photo la voiture de bébé. Est-ce que je peux prendre les deux quêtes d'un coup ? Ah non. C'est une par une, quoi. Pas déconner non plus. En mode taf, après de l'autre taf. Ah, bah quelle idée aussi. Est-ce qu'il y a une version plus de 18 ? Ça, bah, il y a des jeux de ce style qui existent en plus de 18, mais en tout cas, pas exactement ça, quoi. Le Dark Sasuke avec des lunettes de soleil, t'as vu ça ? Tiens, achète mes déchets, mec. Je sais pas comment il arrive à revendre les déchets, mais il me rapporte tellement. Il me rapporte plus que mes photos. Mais les gens sont des porcs, c'est incroyable. Tu finis de ramasser des déchets, il y en a d'autres. En vrai, je pourrais gagner... On peut finir le jeu en ramasseur de déchets, je suis sûr. Et du coup, alors, après une semaine, il est comment ce taf, Shiberoki ? Il te plaît ou pas ? Oh non, elle est plus là. Oh putain, elle était là. Le truc que je devais prendre en photo. Waouh, le nightclub. Aha. C'est peut-être ça, Clem. Peut-être qu'il meurt instant. Ok. Ça demande même pas de photo de pied. Bah, ça pourrait, tu vois. Appareil photo qui attire la photographie. Alors que tout le monde a un téléphone, hein, je rappelle. Tout le monde a un téléphone. Enfin, non, c'est vrai, ils ont pas de téléphone, mais ils prennent tous la pose de... Hé, imaginez, j'avais un téléphone et je pourrais prendre moi-même le selfie. C'est peut-être pour ça, en fait, que mes machines, elles marchent aussi bien. Alors, il me faut une poussette. Ouais, elle est exactement au même endroit. C'est bizarre, quand même, que ma mission, ce soit d'aller lui prendre des photos de poussette, non ?
Parce qu'en fait, toutes les filles qui font des économies de tissu, comme tu dis, Liod, c'est celles que tu pourras engager comme mannequin, je pense, dans le jeu plus tard. C'est quoi le jeu? Vous avez le nom en message épinglé. Vous avez Clem qui fait extrêmement bien son travail. Vous avez toutes les infos à chaque fois. Ah, c'est bon. J'ai assez de thunes, on va pouvoir commencer à louer le studio photo. Mais de rien. Bah ça, malheureusement, là-dessus, je suis bien d'accord. Dénomination de la boutique. Oh! Quoi? Bob. Voilà. On a beaucoup de sous, mais on n'a pas de tissu. Exactement. Alors que Gandoif en jartel. Horrible. Sans elle, cette chaîne serait dead. Exactement. Franchement, trop bien, le centre est trop cool. Ah, parfait. Putain, bah t'as géré, Shiroki. J'espère que ça va te plaire comme ça tout du long. Entrer dans le studio photo. Waouh, vous pouvez maintenant nettoyer. Okay. Tiens, je nettoie. Ouais. Ouais. Alors, le pouvoir du nettoyage. Afficher la tablette. Afficher la tablette. Cher enfant, maintenant que vous avez lu cette lettre, cela signifie que vous avez décidé de vous lancer dans votre voyage. Je vous ai laissé ma tablette. Vous pourrez ainsi acheter quelques trucs essentiels de photographie. Ainsi qu'un vieux Polaroid. Débrouillez-vous avec. Signé papa. Merci papa. Mais je peux pas ramasser les poubelles. Licence entièrement automatisée. Ok, je pourrais acheter de meilleurs Polaroids et tout. D'autres arrière-plans. Des postures. Histoire qu'ils arrêtent tous de faire semblant d'être... être au téléphone, des expressions faciales, ok, des gestes. En vrai, ça a l'air assez compliqué, enfin assez riche. Il a l'air d'avoir pas mal de trucs. Clé de la salle de cinéma. Ah, faut que j'achète un geste, ok. Et ben voilà, comme ça vous allez rester au téléphone. Mais façon boomer. Papa s'est amélioré en gestion de la barre espace. Moyen quand même. Hein. Le daron qui nous vouvoie. Ouais, mais c'est comme ça dans le...
C'est comme ça que ça marche, quoi. Et GG Keisus pour le niveau 119, Fondu Savoyard le niveau 41 et Adam le niveau 6. Inviter des modèles à shooter. Version officielle débloquée. Donc elle, c'est la dame qui était devant le cinéma. Elle, c'est la dame qu'on a vue. Elle, je sais pas qui c'est. Elle, je sais pas non plus. Popularité du modèle. Ah. Donc il y a des gens plus ou moins populaires, quoi. Ça peut rapporter plus de vues, quoi. Alors, arrière-plan. On va prendre l'arrière-plan noir. Ok. Ensuite. Ah! On prend vraiment la photo, par contre. Il n'y a pas encore le focus, l'ouverture et tout ça. Donc j'ai zéro expression faciale, zéro posture. Du coup, il fait la T-pose. Remplacer la pose du modèle. Bah ouais, mais j'ai pas. Et c'est le PLG. Bah écoute, ça va et toi? Bah, c'est chiant, ça m'avait pas dit de prendre la pause. Oh, attends, je peux lui dire carrément? Ah, ça a l'air un peu... Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est... Pardon pour votre main, monsieur, mais... Rassurez-vous, je suis un professionnel. On m'avait dit que les mannequins étaient souples, mais je... Ah oui. Très souple. Allez, on relève la tête. Voilà. Et ça, on va lever la main. Voilà, comme ça. Voilà, incroyable. Et on va dire bonjour aux gens. Bon, si possible, sans se péter le coude. On ne se pète pas le coude. Bon, on se pète le coude, mais on se le répare. Allez, hop, on répare le coude, monsieur. Monsieur... Voilà. Voilà, on baisse les genoux. Un petit peu. Voilà, mais c'est merveilleux, c'est incroyable. Meilleure photo. Voilà, franchement. Si avec ça, je gagne pas 15 000 followers... Mais ça rentrera pas le marionnettiste. What? Waouh. Incroyable cette photo. Bon, j'ai pas de lumière, mais... Vous vous attendez depuis 6 ans, non? Bon, j'avoue que le fait que ce soit à nous carrément de les placer à ce point, c'est un peu... C'est un peu extrême. Ah, attendez. J'ai oublié de mettre le nom sur YouTube. Hop. Voilà. Le colis est dans les rayons. Le colis est dans les rayons. Ça veut rien dire, le colis est dans les rayons.
Mais sachez en tout cas que le colis est dans les rayons. Bah, je ne peux pas retourner dans ma chambre. J'ai oublié mes clés. Les pancartes à l'entrée, pour l'instant, je peux rien en faire. Donc lui, j'ai fait toutes ces tâches. Attendez, mais c'est dégueulasse, ça. Incroyable. Mais oui, il y avait encore des grosses tâches. C'était pas très vendeur. Oh, serait-ce un petit chien? C'est bon, j'ai mes clés. Oh, tu... Voilà. C'était Clem. Et salut Papy Miel, comment tu vas? Propreté 51. Propreté 54. Météo à la con. Ah. Mais quelle idée de tomber malade. Tu t'es pas dit que c'était une idée moyen bof? Écoutez, on se contentera d'une... de ça. Votre colis est dans les rayons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon colis dans les rayons? Les gens, je crois que mon colis est dans les rayons. Va le chercher. Je vais aller en boîte de nuit. Putain, il y a une licorne. Tâche actuelle, votre colis est dans les rayons. Bah je... J'avoue que le colis dans les rayons, c'est... particulier. Oh, on va pouvoir acheter des super appareils photo après. Il me reste 10 balles. Merci, Keisus. Mais d'abord, ouvrir le magasin.
Alors attendez, j'ai une idée. Je peux pas changer. Ah si. Ah mais je peux pas continuer le jeu. Ah si. Package available. Ouais, donc ça change pas trop ma vie, quoi. Et salut Kraft, comment tu vas? Donc apparemment j'ai un paquet quelque part qui m'attend. Je pensais que l'anglais allait m'aider à mieux comprendre. Mais ça me dit toujours pas où il est, quoi. Cela dit, alors je sais pas si je m'avance, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une gestion de la lumière aussi pour les photos. Si c'est le cas, ça peut être intéressant. Alors je peux pas dormir à cause de mon colis dans les rayons là. T'as vu mon colis? Il est dans les rayons. J'ai l'impression que je peux appuyer sur rien du tout. Je peux plus rien faire. Les fameux colis non livrés. Exactement. Ah. Please open your store. Mais il est open my store. Il n'y a pas une heure dédiée à la réception? Bah si, mais je suis allé voir et il n'y avait rien. Normalement, c'est là. Bah écoutez, je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là. Bah ouais, mais je peux pas aller me coucher. J'aimerais bien aller me coucher, mais je peux pas. Bon. Bah écoutez, fin de la démo, hein, que voulez-vous que je vous dise? Des bisous.